Salut, c'est R442. Pour cette nouvelle vidéo, je me suis dit qu'il serait pas mal de faire à la fois quelque chose de flippant, mystérieux, mais également insolite. J'ai alors eu une idée qui devrait faire le bonheur de chacun. Chaque jour, ce sont environ 7 billions d'utilisateurs, selon BDM, qui utilisent la grande plateforme Internet pour surfer sur différents sites. Et des sites, il en existe des millions et des millions. C'est pourquoi j'ai décidé de vous faire une petite liste des sites internet les plus bizarres. Et quand je dis bizarres, c'est vraiment, mais vraiment qu'ils sont chelous quoi. Dans cette vidéo, nous allons voir des sites internet qui sont à la fois très mystérieux et parfois très flippants. A young and growing university. Pour ce premier site, je vous propose que l'on visite radio.com, qui est un site assez banal mais qui est assez sympa je trouve. Il s'agit d'un site avec une carte du monde et en bas il y a des dates précises. 1900, 1910, 1920, 1930, 2000, etc. Et jusqu'à notre époque, donc now, maintenant. Et donc sur ce site, vous allez pouvoir écouter les musiques qui étaient écoutées dans les années 90 par exemple, un peu partout dans le monde. Pour ce deuxième site, on attaque un peu plus fort dans le domaine du mystère, puisque je vous propose de découvrir zombo.com. Alors, il ne s'agit pas là d'un site très intéressant, mais ce site a suscité la curiosité de nombreux internautes. En effet, quand on va sur le site zombo.com, on tombe sur une page blanche, pourvue du titre très coloré Zombo, mais également avec une pastille colorée qui tourne pendant qu'une voix grave masculine souhaite pendant 5 longues minutes la bienvenue aux utilisateurs et en leur disant qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sur zombo.com. This is ZomboCom. Welcome to ZomboCom. You can do anything at ZomboCom. Anything at all. The only limit is yourself. Welcome to ZomboCom. Le problème, c'est qu'on ne peut rien faire. Il n'y a rien sur le site, à part cette voix qui à force devient vraiment flippante, et cette rosace qui tourne, et le titre aussi. Selon les études récentes sur ce site assez mystérieux, il aurait été créé en 1999 par des étudiants pour tester l'animation en flash sur Internet. On dit également que ce serait une blague de la part des étudiants, mais beaucoup trouvent le site bizarre. Et en effet, je trouve que le site a quelque chose de creepy quand même. Welcome to ZomboCom. Voici un site dont l'URL est adultswim.com. En tout cas, je vous mettrai les liens des sites en description, vous faites pas de soucis. Donc, dans ce fameux site, il y a une sorte de jeu bizarre caché, mais plutôt satisfaisant. En effet, ce jeu met en scène la tête d'un bonhomme que l'on va pouvoir étirer tant que l'on veut et lui faire prendre différentes formes bizarres, un peu comme du slime ou de la gelée. Ce qui est cool est que les effets sont vachement réalistes et l'on a réellement l'impression d'étirer une sorte d'élastique en ligne. C'est juste fou. Pour ce quatrième lien, je vais vous en mettre plein la vue.
avec Zoom Quilt 2, qui n'est pas vraiment un site internet, mais une sorte d'image infinie. C'est une sorte de dessin infini qui donne un effet juste incroyable. Je vous en dis pas plus, je vous laisse voir par vous-même. Pour ce cinquième lien, je vous ai gardé le meilleur. Il s'agit de creepypasta.com, qui regroupe bien entendu toutes les légendes urbaines du net, les plus terrifiantes les unes que les autres. Sur ce site, vous pourrez trouver de nombreuses légendes nées sur le web, mais pas que. Évidemment, le site est en anglais, mais des fonctions sur le site permettent de mettre les histoires en français. Slenderman, le Rake, Dame Blanche, bref, vous en avez pour tous les goûts. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un deuxième épisode avec des liens un peu mystérieux, flippants, etc. Sachez que si vous voulez un deuxième épisode, il suffit de me le demander en commentaire et il sortira la semaine prochaine. Salut !